Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, les aides et les différents soutiens à l'innovation des pouvoirs publics trouvent leur justification dans le postulat que les entreprises ont tendance à ne pas effectuer assez de dépenses en recherche et développement. Le savoir étant un bien collectif d'intérêt général en grande partie développé dans le secteur privé, il s'agit alors d'inciter celui-ci à innover. À ce titre, les politiques publiques en faveur de la recherche poursuivent 4 objectifs. Augmenter les capacités privées en recherche et développement, accroître l'effort de la recherche publique dans l'économie, développer la coopération entre acteurs publics et privés et soutenir les entreprises innovantes. C'est précisément pour cette raison et parce que la recherche ne saurait se passer du soutien du secteur public que cette année encore, le gouvernement a choisi d'orienter le budget de la mission recherche et enseignement supérieur vers des objectifs ambitieux. Conformément à la loi de programmation de la recherche adoptée l'année dernière, les crédits du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se renforcent donc pour l'année 2022 à hauteur de 472 millions d'euros. Cette hausse, qui témoigne d'une dynamique de sortie de crise, mais aussi de la montée en puissance de plusieurs dispositifs, contribue ainsi à renforcer les moyens attribués à la recherche dans l'objectif de maintenir notre pays parmi les grandes nations scientifiques. Par rapport à l'année précédente, 500 millions d'euros supplémentaires seront ainsi alloués à la recherche en 2022, dont 400 millions d'euros au bénéfice des organismes publics de recherche et à la recherche universitaire. L'attractivité du métier de chercheur demeurant une de nos priorités, 92 millions d'euros seront également consacrés cette année à des revalorisations salariales des personnels de recherche. Parce que l'excellence de notre recherche nationale dépend du secteur public, mais aussi du secteur privé, la montée en puissance des activités de recherche et développement des entreprises françaises au sein de l'effort national de recherche se poursuit en 2022. Rappelons ici que les dispositifs fiscaux d'aide à l'innovation, notamment le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, consacrés par la stratégie Europe 2020, ont pour finalité de permettre d'atteindre un effort de recherche et développement de 3% du PIB pour les pays européens que seule l'Allemagne a réussi à atteindre à ce jour. Dans la poursuite de cet objectif, le budget qui nous est présenté prévoit ainsi, une nouvelle cible qui vise à atteindre 2,4% du PIB pour 2023. Par ailleurs, conscient des enjeux climatiques auxquels nous devrons faire face dans les années à venir, notre groupe souhaitait agir en faveur d'un acteur essentiel de la recherche environnementale, l'Institut Paul-Émile Victor. Au service de la recherche scientifique dans les régions polaires, cet institut est reconnu depuis de nombreuses années pour l'excellence de son expertise. Pourtant, force est de constater que ce dernier compose aujourd'hui avec des moyens particulièrement contraints. C'est pourquoi mon collègue Jimmy Pahin, dont nous connaissons tous ici l'engagement sur les questions climatiques et maritimes, portera un amendement aux côtés des groupes de la majorité visant à permettre la création de 5 postes pour accompagner les projets structurants de l'Institut dans les prochaines années. Tandis qu'une politique nationale de recherche ne saurait être efficace sans un enseignement supérieur dynamique et inclusif, la lutte contre la précarité étudiante que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver demeure également une de nos principales priorités. Ainsi, avec 179 millions d'euros de crédits additionnels, le programme Vie étudiante n'est pas en reste pour l'année 2022. Je tiens également à souligner qu'entre 2017 et 2022, ce ne sont pas moins que 83 000 places supplémentaires qui auront été créées dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, attestant par là même de l'attractivité des formations proposées et de la volonté croissante de nos étudiants
de se former. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate se prononcera en faveur de l'adoption des crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup.